Bonjour à tous, on vient de sortir la nouvelle version de Switch Live, la version 4.0 sur iOS et sur Android. Donc on a décidé de vous faire une vidéo pour vous faire une visite guidée des nouvelles fonctionnalités et surtout pourquoi on les a faites. Allez, c'est parti! Alors la première des choses qui saute aux yeux, c'est le design. Donc on est passé d'une version paysage à une version portrait. Pour les plus anciens d'entre vous, vous en souvenez, on paramétrait le match, le nom des équipes, la couleur des maillots en paysage. C'était assez pratique puisqu'on pouvait poser le téléphone sur le trépied et ensuite entrer les informations sans avoir à bouger le téléphone. Sauf que ça posait des problèmes d'expérience utilisateur puisque certaines personnes ne trouvaient pas les pages Facebook ou encore n'arrivaient pas à retrouver des informations comme son compte ou s'il était premium ou non. Donc on a décidé d'ajouter cette tab bar en bas, vous pouvez la voir. Et donc on a l'accueil, le clip, le premium et le profil. Dans le profil, on peut retrouver un tas d'informations que généralement ce sont les tutoriels vidéo ou alors demander une démo ou contacter quelqu'un de l'équipe pour avoir des réponses à ces questions directement dans l'app ou encore réinitialiser son mot de passe. Je le disais tout à l'heure, dans les clips, on peut retrouver les capsules ou les matchs que l'on a enregistrés sur le téléphone directement. Et ensuite, on est dans le menu principal. Là, on a accès soit à la diffusion en direct, soit à la diffusion en local. Donc là, on va venir enregistrer le match en replay sur son téléphone. Donc c'est très pratique lorsque la connexion ne permet pas de faire du live. On conseille vivement de plutôt faire un enregistrement local lorsque vous avez une très basse connexion. Les téléspectateurs vont râler parce que ça lag ou la qualité n'est pas suffisamment bonne. Donc on vous conseille d'enregistrer sur le téléphone et de diffuser a posteriori. C'est bien plus sympa que de passer le match à ne pas voir les actions puisque ça lag. Et enfin la télécommande, donc ça c'est la fonctionnalité remote qui permet d'interagir avec le score à distance. C'est très pratique lorsqu'on veut percher le téléphone quelque part au-dessus de la cage de hand ou en haut des gradins et qu'on ne veut pas rester derrière le téléphone justement pour mettre à jour le score. On peut interagir avec la fonctionnalité remote, mais la plupart d'entre vous la connaissent déjà. On va diffuser un live tout simplement et on va pouvoir voir que ça n'a pas tellement changé. Là, je vais choisir Facebook, donc je suis directement connecté à ma page, donc je vais pouvoir streamer sur ma page. Ensuite, je vais choisir un sport, donc je vais choisir le volley en l'occurrence. Je vais mettre le titre de la rencontre, match 1. Ensuite, je mets le nom des équipes, donc comme je suis à Toulouse, je vais mettre Toulouse. Et puis, je vais mettre Rose, puisque c'est la ville rose. Ensuite, Bordeaux, contre Bordeaux, un petit Garronico. Hop, je choisis la couleur des maillots et c'est parti. Là, c'est un écran qui me présente la place que j'ai disponible pour les time capsules et l'enregistrement du match, puisqu'on peut diffuser en direct et enregistrer le match en même temps sur son téléphone. C'est pas mal lorsqu'on veut avoir le fichier natif, tout simplement, et pas les aléas du direct avec les problèmes de connexion. Ensuite, on a un petit test de débit, hop, qui va vous indiquer en quelle qualité vous allez pouvoir diffuser. Donc moi, je suis à Toulouse, j'ai une bonne 4G là, donc je vais pouvoir diffuser en HD. Ensuite, l'écran qui n'y avait pas auparavant, ça prépare toutes les incrustations. Donc ça va venir chercher les incrustations que vous avez mises sur le site via votre compte, même identifiant, même mot de passe. Et donc ça va les télécharger à ce moment-là sur l'application. Et donc vous allez pouvoir retrouver les images plein écran, les logos qui tournent en bas, donc la promotion de vos sponsors, tout simplement. Et là, on arrive sur un écran que vous connaissez déjà. Donc c'est entre guillemets la salle des machines de l'application Switch Live. Vous allez pouvoir lancer le direct. Et une fois que c'est lancé, interagir avec le score, voilà, les images plein écran. Donc là, j'ai mis la petite composition d'équipe qui va bien. Vous pouvez maintenant zoomer en x2 directement. Donc c'est quelque chose qui nous a été demandé. Le souci, c'est que d'autres personnes nous ont demandé de revenir sur le pin. Donc on va sûrement mettre les deux, comme ça tout le monde sera content. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire ce qui manque pour vous sur l'application. On essaie de travailler activement pour faire votre solution et pas la solution qui nous plaît, nous, plutôt la solution qui vous sert. Donc toujours les time capsules, il suffit pendant le live de cliquer sur le bouton time capsule. Tac, donc là elle est enregistrée. Et donc une fois que le match est terminé, 1-0 pour Toulouse, je peux... D'ailleurs c'est du volley, donc c'est complètement débile de mettre 1-0. Mais c'est pour le test. Donc la diffusion est arrêtée, j'arrête. Vous allez avoir un écran qui va générer les time capsules. Hop, une fois que c'est terminé, je peux aller les voir. Elles sont dans l'onglet clip. Bien évidemment, il y a les capsules, il y a le match.
Avant de conclure cette vidéo, je voulais vous parler de trois choses. Donc la première, c'est la plateforme SwitchLive.tv. On souhaite permettre à nos utilisateurs de diffuser sur notre plateforme en 1080p, donc en Full HD, ce que Facebook ne permet pas actuellement puisqu'elle autorise uniquement le 720p. La deuxième des choses, c'est de nouveaux sports qui vont arriver, comme le baseball avec des scoreboards un peu particuliers. Donc on est en train de travailler là-dessus. Et la troisième, c'est l'application Android. On essaie vraiment d'avoir la même technologie sur iOS et Android, même si c'est très compliqué de faire du live streaming sur Android, puisque bah, vous le savez, il y a une pluralité d'appareils, il y a des Huawei, des Samsung, des Wiko, tous n'ont pas les mêmes caractéristiques et c'est très dur de faire de la vidéo en direct sur Android. On continue à travailler activement sur Switch Live. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de ces nouvelles fonctionnalités, si pour vous c'est plus clair. Donc voilà, en attendant, passez de bonnes fins de vacances pour ceux qui le sont. Et donc on a hâte que le sport reprenne un peu partout. Et à très bientôt. Au revoir.